Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un sábado más aquí en Cocina con Kevin los sábados. Hoy tenemos un invitado especial, Vivian Dugan, chef de Prince Noir. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bon, aujourd'hui, du coup, on va plutôt parler français avec le chef, hein. Donc, aujourd'hui, on va vous préparer une petite recette, toujours dans l'idée de la simplicité que vous pouvez faire à la maison. Et aujourd'hui, bah, du coup, comme on vous avait dit, invité surprise, donc Vivian, que bah, surtout sur Bordeaux, nombreux vous êtes à le connaître, chef étoilé au Prince Noir. Donc du coup, bah, on va laisser Vivian se présenter. Et comme ça, après, on va juste vous présenter ce qu'on a imaginé. On va faire entrée, plat, dessert ensemble, tout ça à distance. En plus, je crois que le chef, bah, il est même pas sur Bordeaux, il est loin de nous. Et comme ça, on va tout vous expliquer étape par étape. Bon, Merci. Vivian, bonjour, ça va? Bien, toi, la forme? Ça va, ouais. Merci pour accepter notre invitation. Avec grand plaisir, grand plaisir. Bon, vous êtes connecté depuis où? Je suis à Urugne, je suis chez moi, parce qu'en fait, moi, tu sais, j'ai mon restaurant donc à Lormont, au Prince Noir, D'accord. mais ma famille est restée au Pays Basque. D'accord, ok. Et Parce que moi, alors, j'avais vous un. pouvez laver les tours, c'est ça? Ouais, voilà, on est fermé le samedi et le dimanche, donc on est des restaurateurs qui vivons dans le luxe, tu vois. Ouais, C'est ok, d'accord. le week-end. Et du coup, ben moi je rentre ouais, le vendredi soir et je repars à Bordeaux le lundi matin. D'accord, ok, parfait. Voilà. Depuis Bon, mais maintenant Jordi, qu'est-ce 6 ans. Pardon? Depuis maintenant 6 ans. Ah, d'accord, ok. Et maintenant, Jordi, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Qui De commence? l'agneau. De l'agneau. J'ai fait, tu sais, j'ai récupéré un agneau là d'un pote à moi, Jamerlan Maïdia, qui fait du brebis d'estive à Orcoulou D'accord. et qui avant les estives fait des agneaux. Mais tu sais, les gigots sont toujours assez gros. Et du coup, je me suis dit, j'ai sorti tous les muscles du gigot et on va faire des brochettes de gigot d'agneau avec des pastèques au barbecue. D'accord, ok. Et Kevin, tu nous amènes quoi? Mais, top. Et bien, du coup, l'idée, je suis parti sur des tartines. Du coup, on va faire une petite tartine en entrée avec petit foie gras, du coup, qui est mi-cuit déjà prêt. Pareil, au fait, on vous mettra après, là, on va vous décrire, vous allez voir un petit peu la gestuelle, mais après, on vous mettra la recette en fin de vidéo avec les ingrédients et tout. Mais du coup, là, on va partir sur une petite tartine avec le pain. Vous allez chez le boulanger, une bonne tranche de pain bien gourmand. Là, j'ai fait un pain un peu sucré avec cranberry maïs. Foie gras mi-cuit, une petite compotée d'oignons, des petites graines de courge et une compotée au pruneau. On va mettre des petits légumes, vous allez voir, ça va faire quand même un petit jardin. Et donc comme ça, après Vivien, il va nous faire le plat. Et ensuite, je vais préparer une petite tartine mais sucrée. On va partir sur une petite chantilly avec des fruits rouges et caramel beurre salé. Comme ça, vous allez voir, chose bien simple qu'on a tous à la maison, mais bien gourmand. Ok, Donc d'accord, mais j'ai faim déjà, comme d'habitude. Hein. Ça, Je c'est la propose plus difficile que mission. ouais, là c'est le plus compliqué à tous à distance, là on fait tous les photos et tout, mais bon, si on peut pas le manger, bon, bientôt, D'accord. bientôt, ça va, bientôt. Donc là on va, moi je vais commencer à préparer. Ce que je fais, c'est que je vais tailler mes tartines, et Ok. ensuite au fait c'est vraiment un petit montage visuel. Et comme je vous dis, à chaque fois la cuisine c'est vraiment comme vous vous aimez. Donc moi, si je mets trois petits cubes de foie gras et vous voulez en mettre six, ben allez-y, pas de légumes, pas de légumes. C'est vraiment, et je pense que Vivian va dire la même chose que moi, c'est comme quand on Largement débute d'accord. le vin. C'est voilà, on a tous des goûts différents, le visuel ça compte, mais du coup si vous n'aimez pas ces couleurs, vous changez. C'est vraiment comme vous voulez. Nous, on vous apporte les bases et ensuite on adapte. Donc on va commencer chacun. Je laisse Vivian du coup expliquer avec la viande. Et moi, je commence à tailler mes tartines. Ok, Ok. parfait. Allez, let's go, on commence. Donc en fait, on va faire une brochette. D'habitude, on fait des brochettes, vous savez, avec des gros morceaux, des gros cubes d'agneau. Pour essayer d'avoir une cuisson rosée sur la brochette d'agneau. Mais en fait, ça sert pas non plus à grand-chose. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire exactement comme ils font un peu les Japonais. Donc, on va faire des grandes brochettes comme celle-là. Vous pouvez faire plus petit, il n'y a pas de problème. Hein. Et D'accord. en fait, on va tailler la viande assez fin et on va bien la tasser. En fait, le fait de tasser la viande, si elle est tassée, même si elle est fine, on va pouvoir contrôler quand même la cuisson. On va pouvoir avoir un truc pas trop sec et un peu rosé parce que. Comment on va la tasser correctement? En fait, il n'y aura pas d'air entre les morceaux de viande. Du coup, on va avoir une cuisson comme si on cuisait un morceau d'agneau entier. Et D'accord. l'avantage de ça, c'est qu'on peut faire, tu vois, moi, on va faire des doubles brochettes OK. parce que c'est plus facile de tourner l'agneau avec quand on a deux brochettes pour le tourner sur un barbecue qu'une seule. Donc, OK. du coup, on va faire, tu vois, des morceaux de viande grands comme ça, OK. épais comme ça. On va les piquer, on va bien les assaisonner.
Et ensuite, on ira les griller au barbecue. Et pour la pastèque, on va faire pareil. Donc là, j'ai ramené des morceaux de pastèque qui sont là. Parce qu'ils voulaient ici, alors. Oui, oui, c'est bon. Ah. On les voit. D'accord. Et ça, c'est pareil. On va le piquer avec une double brochette. Okay. Comme ça, quand on va pouvoir les sortir, on va les huiler, les saler. On va mettre un pet de vinaigre pour casser le sucre. Parce que c'est quand même un plat, tu vois. Et, ouais. Et du coup, on va pouvoir les tourner facilement. Ok, parfait. Voilà. Première fois que je vais goûter la pastèque à barbecue. Hein. C'est bien, bon conseil. Là, tu vois, j'ai sorti les muscles en fait de l'agneau. Ok. Là, tu vois, je vais en faire comme deux brochettes, mais peut-être même trois, parce que nous, quand même, on est cinq dans la famille. Donc. Ok, d'accord. Bon, quand on en profite, on fait le déjeuner pour le midi. Et exactement. Du coup, chef aussi sur la cuisson, c'est qu'en le taillant comme ça, du coup, on va pouvoir gagner aussi un peu en rapidité sur le barbecue que le faire l'épaule entière. Et ça sera homogène en plus. D'accord. Mais okay. Là, quand même, il y a... Parce que je suis entièrement d'accord avec Kevin. Franchement, moi, les recettes, c'est ma hantise, tu vois, les fiches techniques et tout ça. Par contre, il y a quand même, dans la cuisine, ce qui est important, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire savoir comment t'abordes un produit. Donc d'accord. Ça, c'est l'expérience, c'est le fait de pratiquer qui t'amène tout ça. Et tu vois, typiquement, pour un muscle, je ne sais pas si ça se voit bien, mais tu vois là la fibre. Ah ouais, ouais, ouais. À droite. Comme ça, c'est parfait. L'agneau est dans ce sens-là. D'accord. Donc, il ne faut pas couper la viande comme ça, dans le sens de la fibre. Il faut couper dans le sens inverse de la fibre. Okay. Parce que si tu le coupes dans le sens de la fibre, quand tu vas manger, ben, en fait, ça va être dur. Ok. Donc, tu vois… Je vais mettre la viande dure. D'accord. Ces petites techniques-là, c'est bien de les connaître. D'accord. Et une petite question, Viviane, comment vous avez commencé dans la métier de la cuisine? Et vous arrivez comment ça? Moi, chez moi, mes parents ne cuisinaient pas beaucoup. Alors, cuisiner pour les grands événements, mais au quotidien, on cuisinait assez rapide. Tu sais, moi, j'ai 40 ans, donc je suis d'une génération où on a commencé à faire les plats préparés. En fait, manger, c'était plutôt vu comme les anglo-saxons. Il fallait manger vite pour aller travailler. Quoi. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours été éduqué comme ça. Oui. Et un jour, j'ai fait une génoise avec ma mère. D'accord. Tu sais, le gâteau là qui gonfle. Ouais. J'ai trouvé ça dingue. Et j'ai toujours voulu faire cuisiner après. D'accord. Donc, mes parents, ils considéraient ça comme quand, quand tu veux être médecin ou pompier ou policier. Ouais. Moi, à 8 ans, j'ai dit je vais être cuisinier. Et j'ai jamais changé d'idée. J'ai toujours voulu faire ça. D'accord. Il a compris ou c'était bizarre à l'époque? Écoute, moi, à mon époque, ce n'était pas un métier très valorisé. Ouais. C'était plutôt pour les cancres et les mecs qui ne bossaient pas à l'école. D'accord. Mais bon, moi, mes parents, toi, ils sont quand même très intelligents. Ils ne m'ont pas forcé. Ils m'ont dit, ouais, si tu veux faire ça, tu fais ce que tu as envie aussi. Quoi. Ouais, ouais. Donc, c'était quand même super cool. Donc, j'ai fait un parcours classique. Hein. J'ai fait le lycée hôtelier à Souillac. D'accord. À l'époque, tu vois, j'ai passé un entretien pour aller au collège. Donc, c'était une super école. D'accord. Et après, j'ai un parcours classique. J'ai beaucoup bossé sur la Côte d'Azur, et sur Provence. Ouais, Saint-Tropez, Port-Grimaud, Aix-en-Provence, Monaco. Ah, mais c'est pas mal de les villes, hein. Ouais, ouais, c'est cool. C'était vraiment cool. Et après, comme on disait quand on a fait les vidéos d'avant, avec les différents chefs, c'est qu'en fait, on apprend énormément. On est un peu des globe-trotters de la cuisine parce que on apprend énormément des autres régions ou surtout dans le métier, on cuisine beaucoup avec d'autres gens de d'autres pays quoi, et on apprend énormément. Et c'est ça qui est top. Et après, du coup, en général, on revient à nos sources. Et c'est là où on adapte ce qu'on a appris de nos parents, grands-parents, avec nos techniques de cuisiner, nos petites astuces, mais avec nos différents voyages, et ça, c'est top. C'est pour clair. Ça qu'on revient aussi sur l'idée des recettes. Ouais. Et en fait, moi, je me suis imprégné de la cuisine de chaque chef. D'accord. Mais tu vois, j'ai pas forcément noté les recettes, j'ai noté les recettes que j'avais besoin pour travailler au quotidien, mais je pense qu'au-delà de la recette, ce qui est important, on parle beaucoup de ça maintenant, la cuisine c'est à la mode, mais on parle d'identité culinaire. D'accord. Mais c'est pas un mot barbare ou c'est pas un truc que tu acquiers avec 40 ans d'expérience, c'est pas vrai. En fait, qu'est-ce que c'est? Ton identité, tu l'as dès le début. D'accord. Juste ce que tu as besoin de savoir, c'est tu vois, moi ce que je trouve toujours le plus beau. Et au Pays Basque espagnol, ils sont magiques pour ça.
C'est moi ce qui me fait rêver. Pour moi, la vraie cuisine, c'est quand tu vas chez Ricondo, par exemple, à Saint-Sébastien, et que tu manges les palourdes à l'ail, et que la mamie qui fait les palourdes à l'ail, ça fait 35 ans qu'elle fait les palourdes à l'ail, et en fait, son geste il est tellement parfait que ça ne rate jamais, son tour exceptionnel. Mais je pense que la cuisine, en fait, l'identité, c'est bien au-delà des recettes, c'est en fait, quand toi, chaque personne a une identité culinaire. Quand il répète un geste ou un mouvement qu'il a tout le temps, ben, ils deviennent de plus en plus pointus, de plus en plus précis. Et en fait, elle comprend de plus en plus le produit, la façon de faire, l'assaisonnement. Et du coup, c'est ça qui révèle l'identité. Quoi. Bien sûr. Et puis, c'est l'échange aussi. Du coup, on le disait au tout début, quand du coup, tu as présenté le produit avec l'agneau, c'est aussi l'échange et avec nos producteurs, en fait. Les éleveurs, les producteurs, ben, déjà, c'est la base. Et ensuite, du coup, ben, nous, on y apporte nos petites touches. Mais sans ça, ben, du coup, si on n'a pas le bon produit, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc après, juste, on apporte juste un petit savoir-faire, une petite technique et voilà, notre expérience. D'accord. Et quand tu sais comment c'est fait, quand tu as vu l'implication qu'ont les gens, qu'a la personne qui le fait, ben, tu l'abordes différemment, toujours. Ouais, c'est clair. Et ça a été difficile arriver à voir l'étoile? Parce que tout le monde il parle de cette étoile Michelin, mais c'était un chemin très difficile à arriver. Alors, moi, franchement, je n'ai jamais cherché. Je m'en foutais pas. Ça serait mentir de dire ça. Parce que moi, j'ai bossé que dans les restaurants étoilés. Et quand tu es jeune dans la restauration, clairement, c'est ce que tu cherches un peu. Tu vois des maisons étoilées Michelin parce que tu sais que tu vas apprendre plein de choses. D'accord. Moi, j'ai eu mon étoile Michelin dans un bar à vin, à Hendaye. D'accord. Donc, tu vois, j'étais pas sur le papier, c'était pas censé être étoilable. Parce qu'on faisait des tapas. Au début, on faisait des tapas. Enfin, moi, j'avais au comptoir, on faisait Chistora, Chipiron, tu vois. Et après, en haut, on avait une très grosse cave à vin. On avait commencé à faire à manger et du coup, on a une étoile là-dedans. D'accord, ok. Mais, bravo. Mais moi, je bosse pas pour ça. Quoi. D'accord, ok. Et est-ce que, du coup, chef, quand vous êtes arrivé sur Bordeaux au Prince Noir, c'était juste après Amat ou c'était il y a eu une transition avant où vous avez cuisiné avec lui? C'était juste après Amat. Mais après, D'accord. Tu vois, je pense qu'en fait, on est tous pareils, quoi. On a toujours envie de faire mieux. Ouais, bien sûr. Mais au-delà de l'étoile, tu as toujours envie de faire mieux, quoi. Ouais. Donc au final, ben, ton restaurant, tu fais… Moi, au début, on n'avait pas de fourneau ou pas trop de fourneau. On a investi dans le matériel. Puis au final, tu te rends compte que ta clientèle te suit et que ce que tu fais, c'est bon. Donc, tu te dis ben, pourquoi pas aller un peu plus loin dans le produit et pourquoi aller pas un peu plus loin dans la façon de cuisiner. Du coup, après, ben, tu chopes une étoile Michelin parce que le travail que tu fais, ben, pour le Michelin, ça vaut une étoile. Mm-hmm. Et après, tu vois, moi, j'étais en Dai, j'étais tout seul en cuisine. D'accord. Et du coup, ce que je voulais faire, j'ai commencé à bosser dans les grandes brigades et après, je suis resté tout seul. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, ben, j'avais besoin d'avoir plus de monde avec moi pour pouvoir le réaliser. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai eu la chance de croiser M. Ducasse chez mon boucher qui m'a dit, qui m'a proposé le restaurant de Jean-Marie Amat. Mmh. Et qui m'a dit, bon, ben voilà, là, c'est un restaurant où bon, ben, on est 10 employés. Quoi. D'accord. Oui, c'est ça que vous racontez aussi dans votre vidéo de Prince Noir. C'était que vous avez resté tout seul et après, vous voulez être avec quelqu'un pour partager, c'est ça? Pour grandir. Pour grandir, pour… Ouais. D'accord. Et en fait, je pense que l'étoile, si tu le prends comme ça, en te disant, ben, ça ne reste qu'une récompense, parce que c'est qu'une récompense. Hein. Ouais, sur une année, tu as fait le boulot, quoi, tu vois. Ouais. Et ben, ça me sert, je ne peux pas te dire le contraire, j'en suis fier parce que franchement, toi, quand tu es issu du métier de la restauration, ben, ça a une vraie importance, à l'étoile, ça a une vraie signification. D'accord. Moi, quand j'étais en Dai, tu t'imagines bien que quand tu vas voir quelqu'un, que tu lui dis ouais, je suis cuisinier dans un bar à vin et que du jour au lendemain, tu dis je suis cuisinier dans un bar à vin et j'ai une étoile Michelin, ben, les gens, ils te regardent vraiment. Ouais, c'est clair. Donc, Hein? C'est la reconnaissance aussi. Voilà, c'est le travail bien fait. C'est ça, c'est tout. Ouais. Après, tu vois, moi, ça ne me met pas du tout la pression. D'accord, ok. Alors, pas du tout. Ouais. Okay. Mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, chef,
C'est aussi pour que bah, les gens qui ne vous connaissent pas, moi je vous connais, on a travaillé un tout petit peu ensemble quand je travaillais dans une autre maison, mais c'est juste, c'est aussi un challenge de dire on est fermé le week-end. C'est un choix, tu sais. Et je ouais, pense c'est complètement, mais du coup, c'est à la fois dans votre cuisine, bah, vous interprétez ce que vous avez envie, mais c'est à la fois aussi de s'adapter, enfin, vous n'avez pas du tout la même clientèle qu'un autre restaurant qui est un peu plus loin que vous et qui est Étoile Michelin. C'est une adaptation encore plus forte et moi, je trouve ça top. Mais après, il y a un vrai constat aussi, tu vois. C'est que moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai demandé à Nicolas Magie quand est-ce que j'ouvre. Parce que lui, il avait la cape à ce nom. Il m'a dit, il faut que tu fermes le samedi et le dimanche. Donc, moi, ça m'a choqué. Hein. Ouais. Et il m'a expliqué pourquoi. Et je pense qu'il avait raison et c'est un constat que j'ai fait. Et en fait… Si tu veux, les gens, ils ne consomment plus comme avant. Le samedi, tu vois, avant, dans les moi, la sortie du samedi, c'était le restaurant. Ouais, c'est clair. Maintenant, quand tu sors, tu te rejoins dans un bar à vin, tu manges deux assiettes de jambon, un peu de, tu vois, un petit peu préparé, une quille de rouge, tu attends que tous tes potes arrivent. Après, tu pars au restaurant, donc tu manges un menu, puis à la fin du repas, tu ne prends pas de Dijon parce que tu sais que tu vas aller soit dans un bar à cocktail, soit dans un truc. En fait, les gens, ils consomment exactement comme ils ont à leur téléphone. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, ils font plein de lieux, plein d'endroits en même temps. Ouais, tout à fait. Donc, le samedi, oui, il y a du monde. Mais moi, le lundi, j'ai une super clientèle de clients habitués et des gens qui profitent, quoi. Et moi, l'essence de mon restaurant, c'est ça, c'est que moi, ce que je veux, c'est que je sois, tu vois, que tu aies un restaurant de clients habitués où les mecs se sentent bien. Moi, mon équipe, ça fait 5 ans qu'elle avait moi. Tous les clients, ils ne voient jamais les têtes changer parce que c'est toujours les mêmes. Il y en a qui tournent, tu vois, mais il n'y a rien de… Mmh. Et je trouve que ça, c'est l'essence même du restaurant. C'est ça le plus important pour moi. C'est clair. Ouais, et du coup, ben, le lundi, nous, on s'en sort super bien. Je ne te dirais pas que c'est notre meilleure journée, mais presque. Parce que, tu vois, on a tous les cuisiniers qui travaillent le samedi. Ben, ils sont souvent dimanche, lundi en repos. Donc, on a plein de gamins qui viennent manger chez nous. C'est vrai. Voilà, c'est génial. Tout, c'est vrai, c'est vrai. Les mecs, ouais, tu vois… Ils sont du métier, ils adorent ce qu'ils font. Ouais, bien sûr. On les accueille, quoi. C'est trop bien. Et ça fait aussi votre force et ça vous démarque par rapport aussi à d'autres. Et dire, bon, le premier, nous, bah, c'est week-end, vendredi, samedi, dimanche, bah, c'est focus, travail, travail. Et le lundi, en général, bah, on sait pas où aller, quoi. Donc, c'est aussi ça de pouvoir dire, vous êtes là, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, il y a un autre facteur, c'est ma famille, quoi. D'accord. Moi, j'ai 3 enfants ouais. Donc, qui vivent à 200 km de mon restaurant. D'accord. Donc, c'était une condition pour partir, quoi. D'accord. Et puis, moi, ça m'a changé la vie. Oui, clairement. Ouais, clairement. C'est... Parce que depuis que vous avez commencé, vous avez travaillé tous les jours. Et bien sûr. On passe des week-ends extraordinaires. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, ben, même au niveau, tu vois, de l'équipe… Moi, Clément, qui me suit depuis, qui est le chef, hein, qu'on est chef tous les deux. Ouais. Ça fait 5-6 ans maintenant qu'on travaille ensemble, on se connaît par cœur. Ben, il a un gamin qui l'élève. Ben, tu vois, une semaine sur deux, il ne travaille pas le soir, mais il a tous ses week-ends avec son enfant. Enfin, tout ça, c'est important, l'humain. Hein. C'est la qualité, ouais, c'est clair. Oui, et comme vous disiez, si c'est à la fois aussi important, votre équipe, elle vous suit depuis le début, quoi. Et ça, c'est presque une rareté, encore plus que votre cuisine et votre… Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est en termes de clients, mais d'avoir son équipe pendant 5 ans, je pense que en France, ça n'existe presque pas, quoi. C'est hyper rare. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, il y a aussi quand même un truc hyper important. C'est que bien sûr que tu vois, il y a le savoir-faire et tout ça, mais alors, c'est rien contre les pâtissiers. J'adore les pâtissiers, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu vois, j'ai fait un constat, c'est que demain, t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ta peau, il faut que tu fasses une pâte brisée ou une pâte sucrée. C'est une recette, c'est précis, c'est toujours pareil. Ouais, en cuisine, mais enfin, la pâtisserie, c'est pareil. T'es pas bien, tu vois, t'as des soucis, t'es fatigué, t'as pas profité de tes enfants. Tu t'es fait engueuler par ta fille parce que tu as dit vas-y, va bosser alors que c'est le samedi. Ouais. Et tu cuisines pas pareil, quoi. C'est nous, toute l'équipe, on s'est mis dans des super conditions pour être le plus heureux possible parce que je pense que ça se sent vraiment. Ça, c'est le réflexe de l'assiette, clairement. Et c'est sûr. C'est sûr ouais. Et ça. Clairement, clairement. Ouais, ouais. Bon, sont belles les brochettes pastèques. Hein. Du coup,
La tartine, du coup, là, vous avez fait les deux brochettes, là, chaque, vous avez fait avec pastèque et agneau, c'est ça? Voilà, donc ça, tu vois, j'ai mis juste la pastèque. Donc, c'est pas neutre comme goût, mais tu vois, il faut juste la mettre un coup de chaud, tu vois. Donc là, je l'huile, je l'assaisonne et je vais y mettre dessus un pet, alors soit un bon vinaigre, tu vois, ça marche très bien avec le balsamique ou tout comme ça. Ouais. Ça, c'est du vinaigre, tu vois, de pain qui est top. C'est Lionel Giraud, un pote à moi qui m'a montré ça, c'est extraordinaire. Et il y a aussi un que j'adore, c'est ça. Ok. Tu vois, et je pense que c'est plus régional. Tu vois, le vert jus, le vert jus, c'est un jus de raisin, c'est un raisin qui est cueilli vert. D'accord. Donc, tu as la même intensité et l'acidité que le citron. Ah ouais. Et du coup, tu vois, quand nous, on se sert de ça quand c'est fini les citrons, tu vois, quand on en commande plein, on fait plein de trucs avec. Et quand c'est fini le citron, plutôt que d'assaisonner au citron, qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, mais on fait avec ça. D'accord, ok. Et je pense qu'on va le déglacer au dernier moment. Ouais, c'est, en fait, on va repepter la pastèque. Et après, du coup, là, on le voit, enfin, je ne sais pas si vous allez mettre d'autres choses là. Mais du coup, c'est, on le voit, on utilise vraiment que quelques ingrédients. C'est l'idée de laisser le produit ou un exhausteur de saveur qui va pepser à fond et simplicité. Et la semaine dernière, du coup, on tournait avec un chef qui était en Floride. Et du coup, on a fait chocolat, huile d'olive, sel de Guérande, piment. C'est clair. Sa tête, on a mis ça sur du pain. Juan, il était là, mais qu'est-ce que c'est cette petite recette? Mais ouais, mais du coup, le saveur, si le produit de base est bon, on a fait un crème au chocolat et c'était nickel. Exactement. Du coup, la sprite. C'est pareil. Au final, c'est la même trame. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux utiliser un produit sucré dans une cuisine. Moi, je ne suis pas fan. Sauf que la pastèque, j'aime bien. Mais le sucré, je suis pas fan. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si tu veux mettre du sucré dans ton plat, il faut contrebalancer. Le plus important dans la cuisine, c'est l'équilibre. La colonne vertébrale est l'équilibre. Donc, tu mets du sucré, il faut que tu mettes un acide en face pour qu'en bouche, tu vois, tu n'aies pas de lourdeur de sucre ou tu bascules pas dans le dessert. Donc, ouais, bien sûr. Tout ça, et ça marche avec l'amertume. Tu vois, tu peux, l'amertume, tu la balances avec le sucre ou l'acide, le sucre avec l'acide, le gras, l'acidité dans toute la cuisine, c'est ce qui te forme, tu sais, vraiment cette colonne vertébrale ou cet équilibre de plat. Qui est primordial dans l'osmose entre tous les produits, quoi. D'accord, ok. Et il y a un dernier truc, et je finis avec ça. Si tu vois, on parle de piment et de moutarde et de piquant. Mm-hmm. Et le piquant, ça, bon, c'est pas un exhausteur de goût, c'est-à-dire que ça ne t'augmente pas la puissance aromatique, mais ça te donne une sensation en bouche de longueur et de fraîcheur qui est dingue. D'accord, ok. Si tu utilises le piment ou un peu de moutarde, comme on va faire là peut-être, tu vois, ça te réveille un peu les papilles, ça te donne un peu de fraîcheur et de nerf à tes plats, quoi. C'est hyper important. D'accord, ok. Ah, mais on a perdu une caméra, ça va revenir, cette mauvaise connexion. C'est le confinement, ça, tout le monde est trop connecté. Mais t'inquiète, c'est des choses qui s'arrivent. Alors, Vivien, c'est quelle la chose la plus marrante que vous avez arrivée à faire dans son cuisine? On va parler un peu de les côtés fins de la cuisine. C'est quoi le plus marrant que vous arrivez dans son cuisine? Ou avec un client ou dans une situation comme chef? Marrant, je ne sais pas si le mot c'est marrant. Ou scandaleux? Il y a un truc. Enfin, moi j'ai fait une grosse, grosse connerie. Tu sais, on faisait du saumon fumé maison. On avait un groupe genre de 300, un truc comme ça. C'était à Brive, à Castelnuovo. Ouais. Et tu vois, ça faisait plusieurs fois que je faisais le saumon fumé. Je maîtrisais un peu le truc, tu vois. Et du coup, le chef me fait confiance pour cette série-là. Donc, on met à cuire, je crois, 12 ou 14 bases de saumon sauvage, tu vois. Et je ne sais pas ce que je prends. J'allume le fumoir. Et en fait, je laisse, sans faire exprès, la porte ouverte un petit peu trop. Ouais. Et la suie a brûlé. Donc, je suis monté à 97 degrés dans le fumoir. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, j'y ai pensé, mais genre 2 heures après, j'ai dit putain, les saumons, j'arrive. Et
ils n'avaient pas bougé, si tu veux. Ils étaient bons. Ouais. Mais quand j'ai pris le premier filet, toute la chair est tombée comme une rillette, tu vois. Ah ouais. Tout était archi cuit et c'était pour le lendemain, tu vois. Ah ouais. Et j'ai eu la. Enfin, là, c'est, le chef, il n'a rien dit. Mais moi, j'étais au. Je crois que ça, c'est le pire truc qui me soit arrivé depuis des années, quoi. C'était l'horreur. L'horreur. Ouais, d'accord. Ok. Après, j'ai eu la chance, tu vois, ce que je racontais hier. Quand à Monaco, on a croisé plein de célébrités, tu vois, et des idoles à moi, Bono du groupe U2, tu vois, c'était plein de gens comme ça, c'était trop cool, trop Ok, mais c'est de belles expériences alors. Bon, voilà. Kevin, on voit que tu reviens avec ta caméra, c'est bon, mais on voit le comptoir, on ne voit pas les assiettes. Ouais, là, c'est compliqué la connexion. Ouais, ouais. Ok, et la cuisine la plus loin de chez vous que vous avez été, c'est laquelle? Le plus loin, c'est Montréal. D'accord. Au Pastaga. Ok. Le chef il s'appelle Mickaël, je crois. Il fait pas mal d'émissions de télé, tout ça, il y a 2-3 restaurants. C'était génial. D'accord. J'ai mangé du caribou et tout, c'est trop cool. Ok. Et après, là où moi j'ai cuisiné le plus loin, c'est. Je suis allé. Cuisiné à Montréal pour Lionel Haussmann et Charles Ours avec Olivier Poussier, le meilleur sommelier du monde. Là, on avait fait un accord mévin, là, c'était génial. D'accord. Et après, j'ai travaillé en Irlande un peu, en Belgique. Ok. Et donc, je suis resté très Europe et très pays froid, moi. Je suis allé 2-3 fois en Suède aussi. D'accord. C'était assez cool. Ça, c'était vraiment très cool. Et les clients les plus spéciaux, c'est lesquels? Vous avez trouvé une sensation avec les clients plus spéciales qu'il faut faire. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le bon sens. On va chercher tout le bon sens. Moi, je pense que franchement, on se moque beaucoup des Américains. Mais nous, on est une très grosse clientèle américaine. On a beaucoup d'Américains, beaucoup de Brésiliens au restaurant, je ne sais pas quoi. Et franchement, ils sont moins… Tu vois, nous, on n'est pas trop dans les codes pour l'instant. Ah uh-huh. Et cette clientèle-là, suédoise, américaine, les belges, est-ce qu'ils sont vachement plus ouverts à tout, en fait. D'accord. Ça, c'est hyper agréable. Et après, ce que je redoute le plus, c'est les Lyonnais. Les Lyonnais? Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, les Lyonnais. Les Lyons? Ouais. Tu sais, c'est comme les. C'est horrible ce que tu dis là. Mais bon, c'est comme les Landais, tu vois. Ouais. Les mecs, les Landais, ils te disent, putain, mec, ton foie gras, ça va, il n'est pas mauvais, mais bon, je suis Landais. Tu vois. Donc moi, je connais le foie gras, tu vois. D'accord. Et les Lyonnais, c'est pareil pour la gastronomie. Ils viennent manger chez toi, ça me fait. Non, mais c'est bon, je suis de Lyon. Quoi. Ouais, et ouais. C'est... Ouais, c'est... Et toi, okay. Putain, dès qu'il y a le tal où on a identifié qu'ils viennent de Lyon, je suis comme ça parce que je me dis, putain, je vais en prendre plein la gueule parce que les mecs, ils vont me sortir, c'est sûr, dans la soirée, et c'est sûr à chaque fois qu'ils me sortent, non, mais on est de Lyon. Comment on connaît la gastronomie. Ah, mais ouais, clairement. Ok. En se visant là, il se passe au barbecue. Si vous voulez, je vous montre la petite tartine comme ça. Ouais, c'est ça, comme ça, c'est. Ouais, on va la voir. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, l'idée, c'est que là, en fait, on fait vraiment un petit montage comme si c'était un petit potager, quoi. Moi, j'ai coupé des petits cubes de foie gras. D'accord. Du coup, c'est. Hop, je vous montre comme ça. Du coup, des petits dés de foie gras. Et dessus, j'ai mis plein de petits légumes. J'ai mis carottes, de la carmine, j'ai mis de la petite crème de pruneau, j'ai mis des petites tomates cerises. En dessous, j'ai mis une compotée d'oignons. Et voilà, c'est prêt. Ça fait une jolie entrée. C'est visuel, il y a plein de couleurs. Et juste après, je mettrai un petit peu d'huile d'olive. Et voilà. Et là, du coup, on va faire la même chose, du coup, sur une tartine comme ça, avec les fruits rouges. D'accord, ok. Voilà. Waouh, c'est pas mal ta tartine de foie gras. Hein, il a une belle tête. C'est bien, voilà, c'est simple parce que du coup, du pain, on en a tous à la maison. On a toujours des légumes. Après, on n'est pas obligé d'utiliser ces mêmes légumes. Après, le foie gras, si vous le faites vous-même, c'est encore mieux. Là, du coup, sur le foie gras, on est IGP Sud-Ouest. Nous, on le cuit sous vide, basse température. Donc, on est vraiment au degré près. Mais après, vous pouvez faire des terrines, vous n'avez plus qu'à couper des petits cubes et ensuite vous les mettez. Après, si vous n'avez pas de foie gras, on peut juste faire magret fumé, des jolies tranches et on vient mettre ça sur la tartine et c'est bon. On peut aussi la faire soit végétarienne ou au poisson, ça peut le faire. D'accord. Aussi. Voilà, on est sur les jardins de Vivian, on voit la barbecue. Donc là, on voit le barbecue. Ouais, la barbecue.
C'est pas mal. Il y a un plateau à l'air. Ah, mais c'est bien. Ouais, Là, c'est bon, on voit bien là. ouais. Du coup, Parfait. viens, il faudra peut-être activer le son. Je vais prendre les deux. Ah, ok, Ok. bah, super, alors. Nickel, Ok. parfait. Bon, ça s'appelle aller à l'extérieur avec les caméras. C'est bravo, hein? Quelle Attends. part technique. Regarde comment on est. Mais Je te montre quand même, on est bien aussi. Ah ouais. Tu Ah ouais. vois? Ah ouais. Clairement. C'est comme moi, dans mon petit appart. Oh, vous J'ai me donnez. des potes à Bordeaux, tu sais, mais putain, mais qu'est-ce que tu te fais chier à rentrer tous les week-ends au Pays Basque? Et du coup, quand ils viennent ici, c'est ah ouais, quand même. Ouais, Voilà, c'est clair, quand même, c'est cool. c'est clair, clairement, ouais, clairement. Là, on a une bonne braise, tu vois, bien chaude. Ok. Et en fait, je vais prendre les brochettes, là, je vais les mettre au plus chaud et je vais commencer par la viande. D'accord. Pourquoi? Parce Et du que coup, tu. sur la viande, chef, on met quelque chose en plus, ou là, du coup, vous avez bien tranché, on a Voilà. piqué. J'ai mis huile d'olive, sel, poivre. Et j'ai mis, OK. tu sais, j'ai un mélange de maïs grillé et piment d'Espelette dans un moulin. OK. Ouais. Je mets ça par-dessus. D'accord. OK. Super. Et donc, on commence toujours par la viande pour la même raison. C'est parce qu'en fait, c'est aussi important le temps de repos. Tu vois, dans la viande, c'est ce que tu fasses. Un rôti au four, un steak poêlé ou un barbecue, ben le repos ça reste important parce qu'en fait, comme quand tu saisis la viande, elle se raidit et toute l'eau en fait qui est dans la viande se met au centre du produit. Comme ça, si tu la laisses reposer, elle revient tout doucement dans la chair et ça pisse pas le sang. Tu vois, c'est un truc hyper moelleux, quoi. D'accord. Là, vous avez vu, je suis Ouais, passé. voilà, c'est plein de techniques et plein de petites astuces que c'est cool comme ça. Ben, chez vous, vous pouvez les Incroyable. faire. C'est juste une technique ou une astuce, mais du coup, enfin, y a pas besoin Quand je vais d'avoir du matériel ou autre. C'est juste des petites. Du coup, en attendant, là, en parallèle, comme ça, vous allez voir, je vais juste commencer le montage du dessert. Comme ça, Ouais. là, je viens faire le plat et une fois qu'on a tout fini, ben, on mangera tous à distance. Allez, parfait. Et d'habitude, il y a un temps pour faire la viande dans les plateaux ou pas? Il n'y a pas besoin d'avoir un temps. C'est l'œil, non? Ben c'est là, tu vois, où enfin, c'est là où tu vois, il faut que tu t'habitues à cuire les viandes et tout ça. C'est là où tu n'as pas besoin de recettes, en fait. Parce que souvent, moi, les potes qui ne sont pas cuisiniers, ils m'appellent, oui, combien de temps je mets ça à cuire? Ben, tu vois, je leur dis à chaque fois un temps, mais en fait, tu vois, c'est tellement différent en fonction de la viande que c'est compliqué. C'est ça le Ouais, savoir-faire, en fait, tu c'est vois. l'œil. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ok. Est-ce que vous avez un rêve encore, Vivien? Est-ce que vous avez un objectif dans votre vie encore à dépasser? Écoute, moi j'ai une maison que je trouve géniale. J'ai toujours voulu avoir une maison de famille parce que moi j'ai beaucoup déménagé. Moi je suis né à côté de Toulouse et on a déménagé tous les 2 ans avec mes parents. Donc moi je m'étais toujours dit un jour je voudrais ma maison à moi, je veux que mes enfants ils y naissent. Donc ça c'est fait. Je fais un métier où je travaille pas parce que je le vis comme une passion. D'accord. J'ai une femme extraordinaire, j'ai 3 enfants merveilleux. Mon équipe au Prince Noir elle est top. Et en plus de ça, il me laisse vivre tous les projets qu'on a. Tu vois, on a monté Blandis il y a 1 an. On a racheté un bar là, avec plein de copains, comme une sociedad, tu sais, espagnole. Oui, la On a sociedad. racheté un bar et on va faire un super truc dans ce bar-là. Non, moi j'ai pas de grands besoins. Moi, je suis très très heureux comme ça, quoi. Tu vois, vraiment. Ok. Et votre business que vous avez créé, c'est Jean-Michel que vous l'avez ouvert, non? Et c'est quoi le concept qu'on peut trouver là-bas? Eh bien, on voulait faire un truc très convivial D'accord. avec des plats qu'on partage et tout ça. Bon, ben, on est en train de voir comment on va s'adapter. Ouais. Et comme on disait, quoi, comme on ne sait pas trop ce qu'on aura le droit de faire ou pas le droit de faire, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord, ok. Et ce qu'on voulait faire, si tu veux, et ce qu'on va faire, je pense, c'est que tu sais, nous, on cuisine beaucoup à la minute au Prince Noir. On D'accord. fait pas mal de préparations crues. Mais pour le client, on cuisine au moment pour lui. OK. J'aimerais bien arriver à faire la même chose pour du service au comptoir. C'est-à-dire que si demain,
je pense que ça, c'est le meilleur exemple. Si demain, on veut faire un minestrone de légumes, oui. Ben, on aura taillé tous les légumes, on aura préparé tous les légumes, on aura préparé et feuillé tout le basilic pour le pistou. Et on cuira le minestrone au dernier moment, on fera le pistou au dernier moment et on annoncera aux gens, ben, tiens, à 8h15, il va sortir un minestrone et le minestrone, il sera juste cuit. Il sera comme si tu le mangeais dans un restaurant gastronomique parce qu'il est fait au dernier moment. D'accord. Mais vachement plus accessible parce que ben, tu vois, tu le prends à la casserole, tu le poses et tu sers. Les langoustines, pareil. Si on travaille les langoustines vivantes, on les cuira au bouillon au dernier moment, à la minute. On servira une mayonnaise juste faite et les mecs, ils mangeront leur langoustine juste tiède avec une belle mayonnaise. D'accord. Des trucs très simples, mais fait au dernier moment pour que ça soit le plus proche du top possible. D'accord, ok. Et c'est parfait. Et sur le canal, la pinchos, vous avez fait devant mon ciel, devant le mont, ou vous l'avez fait à Saint-Jean-des-Loups, ou notre, vous avez venu aussi sous Bordeaux. Les galas pinchos, comment il a sorti l'idée des galas à pinchos? Le galas à pinchos? Oui. Ça, c'est une idée qu'on a eue avec Myriam et Julien Cluège. D'accord. Du restaurant Julien Cluège. D'accord. En fait, on montait aux ambassades, tu sais, Zencher, c'est une application qu'on a pour les réservations en ligne et tout ça, ils sont géniaux. Mm-hmm. Ils nous avaient invités là-haut pour faire une réunion, pour parler de ce qui allait pas et tout ça. Et on s'était dit qu'on voulait faire un événement accessible, d'accord, avec plein de chefs. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, avec tous les potes qu'on connaît, tout ça, on peut facilement trouver 20, 10, 30, 40 chefs. Mm-hmm. Et moi, nous, ce qu'on ne voulait pas avec Miriam et Julien, c'est faire, tu vois, 800 portions de tapas. D'accord. Parce que, tu vois, quand tu fais 100, 200 portions, tu vois, tu es en cuisine, tu t'appliques, tu peux faire un truc un peu pointu. Ouais. Dès que tu dépasses, je pense que Kevin, il va être le premier. Dès que tu dépasses 300, 400, 500 portions, bon, tu as les problèmes d'efficacité, d'envoyer chaud et tout ça. Donc, tu simplifies vachement et tu vas au plus direct et au plus simple, quoi. Oui, bien sûr, c'est une autre technique, quoi. Plus on va diminuer dans le nombre, il va falloir s'adapter à l'envoi, bah, que tout le monde mange en même temps, des contraintes techniques, l'électricité, que tout le monde puisse rentrer en même temps dans la pièce, quoi, les 1000 personnes par exemple. Donc c'est sûr qu'en plus de la cuisine, il y a des contraintes un peu techniques, quoi. Donc on ne peut pas tout faire pareil avec... du nombre, quoi. En tout cas, ceux qui arrivent sont des grandes maisons où du coup ben, on reproduit une brigade d'un restaurant et voilà, à Paris on y arrive. C'est un vrai savoir-faire, encore une fois, quoi. On va inviter plein de potes, ils vont faire 200 portions, comme ça ils vont faire vraiment leur cuisine parce que 200 portions c'est gérable. Ouais. Et après, je vais vite te dire à Julien et à Myriam, moi je sais pas l'organiser ça. Ouais. Et du coup, moi, je travaille beaucoup avec le Bordeaux Food Club, avec Lucie et Fanny. Oui. Et on les a sollicités pour qu'elles organisent le truc et elles ont fait ça de main de maître, quoi. D'accord. Donc, nous, on a eu cette idée-là. Et puis après, tout ce qu'on a juste fait, c'est appeler les copains, valider un peu les tapas, qu'ils soient un peu équilibrés. Mais après, elles ont fait tout le reste, quoi. D'accord, ok. Et ça a été vraiment un succès. Ça a été un succès à Saint-Jean-des-Loups. La première année à Saint-Jean-de-Luz, je crois qu'à... On avait anticipé un peu les commandes de bière, de gin tonic et tout ça. Le mec du garage nous a dit de la doubler. On a doublé les commandes. Ouais. À 22h, on n'avait plus rien à boire. On avait prévu 600 personnes. On a fait 1600 entrées. D'accord, ok. Et à Bordeaux, pareil. Ouais. À Bordeaux, c'était génial. Ouais, c'était fait à Darwin, c'est ça? Alors, c'est perfectible encore. Tu vois, ça fait que la deuxième édition qu'on fait, on sait que, tu vois... qu'on arrive à mieux gérer les queues, les files d'attente et tout ça. Donc, on est en train de bosser là-dessus. Je pense qu'on va trouver une bonne solution. On est en train de voir si on ne rajoute pas 10 chefs de plus pour que ça soit plus facile à gérer. Mm-hmm. Mais c'est un super événement. Et puis voilà, c'est 38€, je crois, les 7 ou 8 tapas. Ouais, c'est clair. Et puis les mecs, ils font du super boulot, quoi. Ouais. Et en plus, c'est l'ambiance aussi intéressante. J'ai vu dans la première émission qu'il y avait des personnes qui dansaient sous les comptoirs. À Bordeaux, on les a virés, les gens. Là, quoi? À Bordeaux, on les a virés. En fait, Sharky, le mec qui fait le son, il est d'ici, c'est l'Anus. Ouais. Et il y avait une tellement bonne ambiance. Et en fait, normalement, tu sais, les gens, ils s'en vont un peu au fur et à mesure. Ouais. Mais là, tout le monde est resté. Et du coup, à 1h30, on était obligé de leur dire, bon, ben... Rentrez chez vous.
à la fin. Ok, d'accord. Génial. Okay. Ah, ouais. On a fait l'after après au Prince Noir avec tous les cuisiniers. D'accord. 4h30 du matin ou un truc comme ça. Oh là là. Ok, d'accord. Ça, c'est, je pense que c'est une soirée qu'on a ratée à mériter. Hein. Ok. Voilà la pastèque, je t'en ai grillé. Et tu sais, elle ne bouge pas, quoi. Elle tient bien. D'accord. Et le côté fumé. Alors moi, il y en a qui l'aiment bien un peu brûlé, là, tu sais, bien collé. Ouais. Moi, je ne suis pas fan. Je préfère qu'elle prenne un peu le goût du fumé, mais que ça reste quand même assez fruité, quoi. Parce que si tu la colores, t'as presque une sensation de steak, tu vois, en bouche. D'accord. Et du coup, après, on va venir la manger tiède. Ouais. D'accord. Voilà, moi je suis quand tu veux. On mange quand tu veux. Eh bien, c'est quand tu veux aussi. Du coup, là, moi, c'est bon pour l'entrée et pour le petit dessert. Donc, okay. Comme ça, je vous remontre la petite entrée. Comme ça, on voit le plat et ensuite, je vous montre le dessert. Et du coup, on a fait un menu complet. Bon, en même temps, je vois que les deux chefs sont prêts pour aller manger. Je pense que je vais changer l'ordre dans l'enregistrement parce que 7h06, je commence à avoir faim aussi. Et je vous vois tous les deux à gauche et à droite avec les trucs à manger. Waouh! Je reviens. Ok. Ah, Kevin, tes tartines sont magnifiques. Hein? Il faut que vous l'approchiez un peu. Mais... De zoomer comme ça. D'accord. Ouais, ils sont bien. Ouais. Hop, voilà. Et du coup, juste sur le sucré, on va finir juste par un petit caramel beurre salé, là. Hop. Et on va juste finir avec un tout petit peu, là. Hop. Gourmandise, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et vous m'avez dit que dans le tartine fruitée, il n'y a que des fruits rouges, c'est ça? Là, j'ai mis que des fruits rouges. Après, voilà, c'est parce que là, c'est sur la fin des fraises. On est vraiment sur une fin de fraises. D'accord. Donc là, c'est encore bon. Après, on pourra changer sur les fruits, toujours sur ce que vous aimez, ouais. Et deux saisons, et si au maximum d'ici, quoi. Mais on peut partir sur n'importe quoi. On aurait pu partir sur un petit fruit rôti, un petit ananas rôti. On aurait pu utiliser le même là, barbecue, par exemple, que Vivian. Et pour faire le dessert, on aurait pu se faire un petit ananas et couper en petits morceaux, une petite chantilly très simple, et on aurait mis ça sur la tartine. Ça aurait été chouette. D'accord, ok, parfait. Bon, et maintenant, on vient dans le montage de Vivian. Ça, c'est les brochettes d'agneau et les pastèques. Tu vois? Je sais pas si tu vois là. À gauche? Ouais. Comme là, ça, c'est bon. Là, on voit bien la jolie couleur. Ouais. Ouais. De pastèques, après, tu vois, ça, c'est pareil. Ça, j'en ai plein dans le jardin, j'adore. C'est de la capucine. D'accord. Alors, je suis plus fan des feuilles que de la fleur. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on peut faire aussi, tu vois, pour terminer un peu le plat. Moi, je travaille avec Philippe Guichard. D'accord. Qui fait des farines exceptionnelles, mais aussi des légumineuses. En fait, il fait des légumineuses pour nourrir ses sols, pour son blé. Mmh. Et du coup, il se situe où, Vivian, pour à côté d'Agen. D'accord. Villefranche-sur-Lot. Et tu vois, ces bois cassés sont extraordinaires. Et tu vois, c'est là où je te dis, moi j'aime bien aussi quand c'est un peu nerveux. Ouais. Tu vois, un peu de moutarde. Moutarde, d'accord. Il y a des olives aussi là. On va venir pepser avec ça, avec les petites saveurs, là, ce que vous êtes en train de faire. Je vais déglacer à poil, mais tu vois, si on met un peu de verre jus, on a une sorte de petite vinaigrette, sympa. Tu vois. Et on peut aller là. Hop. Ouais, c'est super, comme ça, on a vraiment le plat bien gourmand, il va bien pepser. Ok. Et après, c'est cool. Du coup, avec la recette du chef, on voit très bien le peu d'ingrédients qu'on utilise. C'est vraiment le qualitatif. Et il n'y a pas besoin de mettre énormément de produits.
Et là, on a un plat super gourmand. Donc, c'est super. La cuisson que vous avez montré, c'est top. Bon, après, celui qui habite à Bordeaux dans son appart, c'est compliqué à faire le barbecue, mais il ira chez ses parents, ses grands-parents. Et ouais, mais c'est super. Ah, mais c'est cool. Sinon, tu vois, tu peux faire. J'ai hésité à faire à la poêle, mais j'avais des brochettes plus petites en bois. Ouais. Et tu vois, tu peux te faire ça à la poêle, c'est pareil. Et tu peux tu fais pareil, tu commences par l'agneau. Ouais. Tu vois, avec une belle huile, comme ça, tu as des sucs de cuisson un petit peu de l'agneau et tu peux mettre tes pastèques après dans le sucre de l'agneau. Et là, je pense que c'est intéressant de déglacer. Tu vois, comme ça, tu. Ouais. Parce que le barbecue, ouais, tu n'as pas intérêt de déglacer. En fait, le déglaçage, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est tu décolles les sucs de cuisson de ta casserole, de ta poêle ou de ta cocotte. Donc, si tu fais à la poêle, un coup de verjus, une cuillère à soupe de flotte et tu as une petite sauce minute qui peut être sympa. D'accord, ok. Mais tu vois, dernier conseil de Vivian, parfait. Bon, Vivian, tu as un message à donner à les personnes qui nous voient? Un truc à dire? Alors, j'aimerais trop que vous accueilliez mon pote Iago Marquez du restaurant Malabar la prochaine fois pour une recette parce qu'il est extraordinaire. D'accord. Je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo avec vous. C'était trop cool. Ok. Et restez chez vous les deux derniers jours qui vous restent et profitez après à mort, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est cette sortie de déconfinement. Après, ben, il faudra repartir, revivre. Bon, certes, on ne peut pas rouvrir nos restos, faire nos événements, mais on aura besoin de tout le monde pour repartir comme avant. La cuisine, voilà, c'est le partage, convivialité, se réunir. Donc, j'espère aussi une chose, je pense que. Tu vois, ce confinement, moi, je me suis posé plein de questions et ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui se sont rendus compte que, qu'en local, il y avait plein de choses disponibles, que les mecs, ils bossaient super bien, que la cuisine, ça prenait du temps aussi parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et tu vois, j'espère que ça va aussi leur faire prendre conscience de valoriser notre métier à nous, se rendre compte du temps que ça prend à faire à manger. Ouais, et j'espère qu'on va continuer à consommer local et être un peu plus, tu vois, régionaliste et même, tu vois, un peu plus, tu vois, se sentir un peu plus français que ce qu'on est déjà parce que je trouve que même si, tu vois, le monde est génial et tout le monde est super, je trouve que nous, en France, on a un problème avec notre identité à nous. Identité. Quand tu vas patrimoine. Les gens, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, quoi, tu vois. Ouais, et j'aimerais bien qu'on arrive à être un peu plus fiers de ce qu'on est, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui font des super belles choses ici. Ouais, c'est clair, il faut être bien. Bon, merci Vivian, merci Kevin. On se voit la semaine prochaine avec toi, Kevin. On va voir c'est qui l'invité, peut-être c'est l'ami de. Ouais, on verra, surprise. on prend contact rapidement avec lui pour vous faire partager la vidéo. Et voilà. Ouais, il y aura plein d'autres surprises. On est en train d'organiser ça avec Juan. Donc, peut-être on va passer avant pour l'Asie à visiter quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. On a plein de surprises ici à faire encore. Et je pense que l'objet de cette émission, c'est de la cuisine et de les partages, n'importe où tu es. C'est l'effet d'échanger, partager et de nous nourrir à la fin, c'est de s'amuser quand même aussi. Voilà. Bon, je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bien. Ciao. Ciao, merci Kevin. À bientôt. Ben nous, on n'est pas du tout issus d'une famille de cuisiniers. Nous, on mangeait vite et des plats préparés. Et un jour, on a pris le temps à ma mère de faire une génoise. Tu fais au four, et ça gonfle comme ça. Et quand tu es gamin, quand tu as 10 ans, que tu vois ça, l'odeur, tous ces trucs-là, c'est juste hallucinant, quoi. J'ai eu besoin d'être tout seul jusqu'au moment où tu te dis putain, je veux faire des trucs et je suis pas en capacité de le faire parce que tout seul je peux pas y arriver. Et c'est là où j'ai eu de nouveau envie de m'entourer de gens. Attends,
le fait qu'on échange beaucoup, qu'on partage nos envies, nos expériences à droite à gauche dans les restaurants, on a tout explosé quoi. On ne fait que ce qu'on aime et on ne retravaille que ce qu'on veut retravailler. Du coup, on a une cuisine qui est très identitaire, qui plaît pas. Même si un truc plaît pas, on sait que nous, on n'a pas fait d'erreur. C'est ça qu'on voulait faire. Donc, on n'est pas non plus obtus. C'est-à-dire que quand on a vraiment tu vois, des retours réguliers, un client il vient te voir et qui dit vraiment ça, je comprends pas. Quand tu en as 5 qui disent la même chose, mais nous aussi, on retravaille. On se dit, tiens, pourquoi il faut qu'on rebosse les trucs. On se laisse énormément de liberté. Quoi. Quand on fait un plat, c'est toute la brigade qui bosse pour le même plat. Nous, maintenant, il y a des mecs qui sont spécifiés aux cuissons aux protéines, des mecs qui sont spécifiés aux cuissons végétales, des mecs qui sont spécifiés à toutes les préparations froides, sucre, salé confondu. Et du coup, ben, les mecs, les gens, ils le ressentent. Quoi. Moi, j'en suis persuadé. Quoi. On ne fait pas de cuisine d'assemblage. Il y a des préparations de légumes, on cuit tout au moment, les viandes sont cuites au moment, les poissons sont cuits au moment. On prend beaucoup plus de risques, mais les gars ont beaucoup plus d'implications. Nous, on vibre parce qu'on se dit, putain, mais on a eu un produit cru, brut, on le transforme, on l'envoie aux gens. Et c'est tout ça, ça n'existe pas sans nous. Quoi. Et ça, c'est, pour moi, c'est ça le plus magique de la cuisine. Quoi. Et dire que rien n'aurait commencé sans cette foutue génoise.